Les temps sont durs pour les affaires, monseigneur. Que les Camille vous protègent. Monseigneur, vous devez être épuisé après tant de combats. Venez donc vous baigner dans les eaux vivifiantes de ces sources chaudes. Reprenez des forces pour les épreuves à venir. Je dois être au meilleur de mes capacités. Suivez-moi, monseigneur. Un bain dans ces sources chaudes apaisera votre esprit. Et si vous vous y baignez souvent, ces eaux vous offriront même santé et longévité. Baignez-vous ici. Les eaux sont chaudes et reposantes. Sauvé d'une mort certaine par une voleuse. Que pensera mon oncle de Yuna? Voilà qui est mieux. Vos ennemis ne pourront que s'incliner devant vous. Je me sens capable d'affronter toute l'armée mongole. Merci. Ce fut un plaisir. Vous trouverez des sources chaudes dans toute l'île. Pensez à vous y baigner. Prenez-y le temps de guérir et de réfléchir. Vous préparerez ainsi votre corps au combat qui l'attend, monseigneur. Seigneur, serait-ce la lame du clan Sakai? Vous êtes connaisseur. Disons que cette lame est célèbre. J'ai entendu parler de son tranchant et de sa beauté, mais je n'aurais jamais pensé la contempler un jour. Je ne me suis pas entraîné sur des tiges de bambou depuis longtemps. Ce serait pour moi un honneur de voir votre lame à l'œuvre.
lame des Sakai est exceptionnelle. Et le guerrier qui la manie l'est tout autant. Mais vous entraîner sur les bambous vous rendra encore meilleur. J'ai besoin de force pour ce qui m'attend. Vous trouverez des supports d'entraînement dans toute l'île. Vous pourrez y affûter votre maîtrise de l'épée. Au revoir, monseigneur. Approchez, monseigneur. L'histoire d'Uchitsune vous attend. Il y a fort longtemps, un démon ailé s'acharnait sur un empereur et son palais. L'empereur envoya chercher Uchitsune, le plus grand archer de son temps, qui maniait un arc béni par un kami. Quand le démon revint, Uchitsune était prêt. Armé de son arc long, il visait plus juste et tirait plus loin que tous les autres archers du Japon. Uchitsune tira une flèche unique qui transperça le cœur du démon. Ce dernier tomba au sol et, dans un dernier souffle, maudit l'archer. Peu de temps après, Uchitsune commença à voir la silhouette du démon partout. Son arc légendaire ne ratait jamais sa cible, mais en mourant, celle-ci libérait un cri humain. La piste des cadavres mena à l'archer qui fut capturé. Bien qu'ils fussent nombreux à demander sa mort, l'empereur eut pitié d'Uchitsune. Il fut banni sur l'île de Tsushima, où il mourut bien des années plus tard, seul et oublié de tous ou presque. L'arc qui servit à tuer le démon y est resté caché depuis. Certains disent qu'il attend un maître digne de lui, d'autres pensent qu'il renferme toujours la malédiction du démon. Maudit ou non, cet arc semble puissant. Soyez prudent, monseigneur. L'arc éveille les ténèbres en quiconque le convoite. Je m'en souviendrai. Encore faudrait-il que je sache par où commencer. Pour trouver la paix de l'esprit, Uchitsune se promenait souvent sur la côte, totalement fasciné par les hortensias bleus qui s'y trouvent. Qui sait, c'est peut-être une piste. Des hortensias bleues, comme m'a dit le musicien. Je ne dois plus être loin. Tombe est fissurée. Et
Ça... Une île entourée de fleurs bleues. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. La sépulture d'Uchitsune. Cessez de chercher l'arc maudit. C'est la mort que vous trouverez. Il portait le masque d'un Tengu. Son tir était un avertissement. Je dois rester sur ma garde. Gah!